Bonjour à tous et bienvenue. Il faisait froid au réveil à Paris, à peine 4 degrés, il n'en fera que 6 cet après-midi, mais on a droit à de très très belles éclaircies. Profitez-en car la fin de cette année s'annonce chahutée avec de l'air froid en altitude, de l'air frais dans les basses couches laissées par l'ancienne tempête Bella. Ça donne une météo agitée sous forme cette fois-ci d'averses de pluie et d'autres chutes de neige. On a encore 4 départements d'ailleurs placés en vigilance orange crue ici. Les Landes concernées, le Gers, le Lot et Garonne et le Tarn et Garonne. Ça devrait se prolonger puisque la météo restera encore dernière journée de l'année agitée avec cette perturbation ici qui est aussi entre le sud-ouest et les frontières de l'est avec d'autres chutes de neige. Attention au risque d'avalanche donc cet après-midi vers les Vosges mais aussi le massif central et l'ouest des Pyrénées. C'est agité aussi vers l'île de Beauté. On a un nouveau flux perturbé qui arrive cet après-midi par la Bretagne et qui va venir nous impacter. En tout cas, les températures de cette journée de mercredi oscillent entre 2 et 12 degrés durant la journée de jeudi, dernière journée de l'année donc réellement ici ce jeudi. L'influence de ce flux perturbé qui va descendre et va osciller ici entre le nord de l'Aquitaine et remonter vers le nord-est avec d'autres chutes de neige, cette fois-ci à très basse altitude ou en plaine, généralement jusqu'au Lyonnais, la vallée du Rhône. Risque donc d'avalanche pour les Vosges, le massif central et toujours les Pyrénées. Et à l'arrière, c'est le ciel de traîne qui se met en place avec un ciel plutôt lumineux, pas de précipitations, mais du froid qui va venir s'engouffrer chez nous. On continue avec les valeurs de cette nuit qui vont plonger à moins 2 degrés vers Grenoble, généralement moins 1 degré non loin de la Méditerranée et 9 degrés ici vers Bordeaux. Et puis le contraste est un petit peu différent durant la journée. Deux tiers nord seront sous l'influence d'un temps plus frais de 2 à 7 degrés, tandis que le tiers sud profite d'une relative douceur et temporaire d'ailleurs. On va continuer avec les prévisions pour l'année prochaine. Déjà, le premier week-end de l'année s'annonce encore agité avec une alternance de nuages, d'éclaircies. Attention aux différentes chutes de neige et aux températures qui vont continuer de diminuer ces prochains jours. On pourra le constater encore samedi avec encore de la neige sur l'est de la France à très basse altitude, un ciel alterné entre nuages éclaircis et d'autres chutes de neige encore pour dimanche prochain. 3 degrés en moyenne sur la moitié nord et 6 sur la moitié sud. Bel après-midi à notre compagnie et à ce soir.